Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai fait, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé là au mois de juin, qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre cartes du tarot mythique, on va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer 2-3 cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois en fait 2 par quinzaine supplémentaires. Voilà, pour avoir vraiment, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine, pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, ou apporter vraiment un éclairage, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor et une autre avec l'oracle des fées de Dorine Virtu, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup ça fera vraiment un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis écoutez, pour l'instant j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août. Mais si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'onglet communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue. Moi, j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, en famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, vous laissez le reste de côté. Quand je donne des signes par rapport à des cartes, ça peut être aussi bien le signe ascendant, lunaire que solaire. D'ailleurs pour les signes ascendant et lunaire, vous pouvez aussi aller voir les guidances de ces signes-là pour avoir des compléments d'informations. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Vous y trouverez également mes coordonnées, mon site internet, etc. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance, tout y est. Voilà. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai repris 4 cartes avec le tarot mythique. Donc on aura ici première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et j'ai rajouté en fait 2 cartes par quinzaine pour avoir vraiment des informations supplémentaires, des précisions si vous préférez. Et puis une fois qu'on aura fait le tour de tout ça, on fera comme d'habitude un petit point litho pour voir quelle pierre pourrait vous aider pendant votre été. Et on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui souhaitent être aidés émotionnellement. Et puis parce que ça peut aussi donner d'autres infos. Voilà. Écoutez, nous, on va commencer. Et pour la première quinzaine de juin, vous avez, 10 de coupe. Je ne le vois pas souvent, celui-là. Et après, vous avez, tempête en vue, mais à l'envers. Donc ça, c'est bien. Je crois que c'est les Sagittaires aussi qui l'avaient. Et vous voyez, vue exaucée, ce que vous souhaitez devient réalité. Ça va. Alors, à chaque fois, je commencerai par les tarots et puis je développerai après ensuite avec les autres cartes. Là, les coupes, on est plutôt sur des signes d'eau. Donc, ça correspond à l'élément de votre signe, puisque ça peut être aussi bien poisson, cancer que scorpion. Le 10 de coupe, là, on est sur le plan des émotions, des relations, des liens. Le 10 de coupe, c'est vraiment la fin de la série. Ça peut représenter aussi la fin d'un cycle. Mais là, vous voyez, c'est des personnes... on peut y voir un couple marié ou en tout cas qui est engagé depuis un certain temps.
On peut se dire aussi que pour les célibataires, ben c'est peut-être aussi une très belle rencontre qui se fait à ce moment-là, mais on est vraiment ici dans un sentiment de satisfaction, de félicité, de permanence des sentiments, d'harmonie, d'une certaine forme d'ascension ou d'élévation. Alors, ça peut être aussi bien donc avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Il peut y avoir également des réconciliations, peut-être la reprise aussi d'une ancienne relation. Mais alors là, ici, on est plus que conscient et entre guillemets heureux, en tout cas, dans ce cas-là, de se remettre ensemble. Et si jamais il y en a qui reviennent vers vous, sachez que c'est vous qui avez la main, hein, qui pouvez toujours décider d'accepter ou non, hein, finalement, l'offre aussi qu'on va vous faire. On peut penser bah, qu'au niveau social, tout se passe très bien. Hein. On est peut-être même, alors je ne vais pas dire sur le feu des projecteurs, mais en tout cas, on est très bien entouré. Et même si on n'est pas tant, on va dire, sur le plan professionnel et matériel, bah là aussi, il peut y avoir quand même un sentiment de satisfaction, une amélioration en tout cas qui est ressentie. Bon, a priori, moi franchement, je la sens plutôt bien parce que comme on est en fin de cycle, on pourrait penser aussi tout simplement que c'est la fin, alors que bon, vous voyez, ils ont quand même l'air plutôt heureux. Là, on est vraiment dans l'accomplissement, dans la stabilité. Et quand on voit qu'on a la carte tempête en vue à l'envers, on peut se dire quand même que, alors je ne vais pas dire qu'avant c'était peut-être pas chouette, mais que c'était peut-être pas si stable que ça. Ou en tout cas, on peut venir parler de la stabilité du couple qui est représenté, si vous êtes avec quelqu'un bien sûr. Ou peut-être aussi d'un ancien couple. Maintenant, comme elle est à l'envers, ça veut dire que la tempête, entre guillemets, quelque part est finie. Que les périodes sombres sont derrière vous ou qu'elles vont commencer en tout cas à s'estomper. Donc si vous étiez, on va dire, un petit peu chahuté ces derniers temps dans votre couple, a priori, il y a quand même de la joie qui est en train de revenir. Et on vous conseille d'ailleurs vivement de vous réjouir en vous disant que de meilleurs jours arrivent. Hein. Un peu comme si il y avait une nouvelle lumière qui avait pu être mise. Peut-être des prises de conscience, des discussions, hein, peut-être aussi, que ce soit avec la personne concernée ou avec des proches ou d'autres. Mais en tout cas, ça vous permet de pouvoir voir vraiment les choses autrement, voire peut-être de réévaluer un petit peu votre situation ou ce que vous pensiez hein, de cette relation. Alors oui, je ne l'ai pas dit, même si on n'est pas sur ce plan-là, ça peut être aussi une association tout court, hein, professionnelle par exemple. Et maintenant que vous avez, entre guillemets, ces éclairages, vous allez peut-être pouvoir aussi prendre une nouvelle direction, peut-être émettre tout simplement des nouvelles intentions. Alors ça peut être justement dans cette relation, mais ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel ou autre. Mais quoi qu'il se soit passé avant, on vous demande quand même d'aller regarder un petit peu là-dedans, non pas pour rester dedans, hein, mais pour en tirer davantage de leçons et puis justement pour viser, hein, on va dire davantage, ce 10 de coupe. Ça peut être aussi pour certains tout simplement le but, entre guillemets, à atteindre, un modèle à suivre, un idéal. Ça peut être aussi le fait tout simplement, quand je vois vu exaucer, que bah justement, il y en a peut-être qui étaient inquiets, entre guillemets, pour cette relation, sur quelque plan que ce soit, et qui ont la chance de voir que ça va enfin, entre guillemets, tourner en votre faveur, ou en tout cas, arrêter de vous chahuter comme ça a peut-être pu l'être, vraiment, parce que là, bon, vous voyez, la tempête, on, je dis généralement que l'eau, c'est les émotions, en plus, on est dans les coupes au-dessus, là, ça déménage, donc on pourrait se dire qu'émotionnellement, ça a dû y aller fort, peut-être quand même, quoi. Hein, il y en a peut-être qui ont été vachement chamboulés. Après, peut-être que vous avez été chamboulé pour d'autres raisons et que votre mariage ici vous a permis aussi peut-être tout simplement de tenir le coup et que voilà, ça vous fait vraiment du bien et tant mieux. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire franchement, quoi qu'il soit passé avant, ça va vers du mieux. Hein, vous avez quand même deux jolies cartes, une carte qui était peut-être moins sympa mais qui est inversée, donc voilà. Et quand on revient sur vue exaucée d'ailleurs, on vient vous dire que les fées sont ravies d'exaucer les vœux, hein, mais comme vous le savez, on a tous notre principe de libre arbitre, donc si vous voulez qu'il se réalise, il faut commencer déjà par l'émettre, hein, ce vœu,
le faire. Un petit peu comme quand on dit aux gens, bah, si tu veux gagner au loto, il faut commencer déjà peut-être par t'acheter un billet, ça peut aider. En tout cas, sachez qu'elle travaille de concert vraiment avec les énergies universelles, les autres esprits aussi de la nature. Et le message qu'elles ont envie de vous délivrer ici, c'est que si vous voulez les aider à réaliser votre vœu, vous pouvez le faire tout simplement en suivant le cours de votre vie, en restant calme et concentré. Parce que quand vous restez bloqué sur la négativité, ben, quelque part, là, vous bloquez aussi votre vœu. Donc, elle vous conseille aussi de ne pas hésiter à aller dehors pour élever votre taux vibratoire et donc aussi votre esprit, histoire d'être moins, justement, peut-être pour certains, dans le mental négatif ou peut-être trop à ressasser, entre guillemets, ce qui a pu se passer ou ce qui vous fait souffrir. Et puis, quand vous serez dehors, bon, bah, généralement, les fées, elles sont plutôt dans les fleurs ou dans les arbres, mais si elles vous conseillent de sortir, c'est pour vous envoyer de leurs énergies, de magie, de joie, de gratitude, pour que vous vous sentiez vraiment mieux. Donc, si jamais vous avez un coup de mou, quoi, ou qu'est-ce, n'hésitez pas, hein. J'ai presque envie de vous dire, ne réfléchissez pas, allez-y tout de suite. Et puis, si vous avez encore envie de vous prendre la tête après, faites-le, mais voilà, vraiment, allez vous imprégner de la beauté de la nature pour vous remplir. Et puis, parce que ça aide aussi à avoir les idées plus claires. Hein. C'est vrai que quand on est inquiet et qu'en plus on est fatigué, ça n'arrange rien. Maintenant, ici, je trouve qu'on vient quand même vous rassurer en vous disant que c'est quand même plutôt en bonne voie, hein, tout ça. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec la carte vœux exaucés. Je ferai la même chose pour toutes les cartes des fées. Prenez bien le temps de ressentir chacune et de voir s'il y en a une qui vous fait plus vibrer qu'une autre ou ce que vous ressentez au moment où je l'énonce. Ça peut vous donner des indications. Et puis, je vous donnerai ensuite l'affirmation qui est avec chaque carte de l'oracle de l'énergie pour ceux qui souhaitent en tout cas les travailler. Alors, on y va. Un être cher vous prépare une surprise. Vos pensées se manifestent très rapidement, alors veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec vos désirs et non pas avec vos peurs. Faites confiance à l'univers, gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration. Et d'ailleurs, bon, là, ici, comme tout va bien, on peut penser aussi mariage, engagement, pacte, etc. Hein ? Je suis en train de me dire, pour les célibataires, peut-être qu'avant, bah, voilà, c'était peut-être pas forcément très chouette. On avait envie de rencontrer cette personne. Et puis là, bah, bingo, en plus, c'est une personne avec qui on va vous proposer de la stabilité et du durable. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et pour l'affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Alors, là, vous avez le 3 de denier. Bon, vous voyez, elle est quand même encore assez lumineuse. Bon, là, on était bien dans le jaune. Là, on a du jaune et du vert. Hop. Oui, bah, d'ailleurs, je pense qu'on vous demande aussi de garder confiance, hein, parce que je pense au jaune, là, du plexus. Bon, là, il y a le chakra du cœur aussi. Alors, ouf, là, elle est moins sympa, mais bon. Pas dramatique non plus. Contrainte financière, hein, voyez le coffre, il a l'air un petit peu tout vide. Et projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, bah, voilà, pas si mal ça. Alors, le 3 de denier, là, on est plutôt, on va dire, dans le masculin sacré. Hein. Donc, ça représente ici plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Après, à voir si c'est votre ascendant, si c'est l'autre personne que vous reconnaissez ici. Hein, voilà, vous pouvez replacer ça, on va dire, au bon endroit. Ou voilà, si c'est tout simplement les énergies du moment. Et je ne sais plus d'ailleurs si vous ne l'aviez pas déjà eu, cette carte, dans la dernière guidance. Quoi qu'il en soit, on parlait ici quelque part d'ascension. Bah là, hop, c'est bien, vous voyez, il monte d'un cran. Il est même sur des petites marches. Il y a des personnes qui sont en bas de lui, qui sont en train de lui tendre ici des deniers. Donc là, on a passé effectivement un palier. C'est le moment, si vous voulez, des récompenses. Alors les deniers, on est plutôt sur le plan matériel et financier. Maintenant, bon, vous avez quand même la carte derrière des contraintes financières. Bon,
Après, peut-être parce que vous avez ces contraintes financières, on vous donne aussi de l'aide. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Après, pour avoir de l'aide, bah, il faut savoir l'accepter, puis parfois, il faut aussi savoir le demander. Bon, en tout cas, que ce soit des efforts que vous ayez faits par rapport à cette relation, des vœux que vous ayez émis, bon, ça a l'air plutôt de s'arranger. Après, d'un point de vue professionnel, ça peut être ici les premiers fruits, on va dire, de cette association-là. Ou ça peut être tout simplement un moment où on peut être un peu plus reconnu, remercié, on va dire, pour tout le travail qui a été effectué. Ou ça peut être également le début de la concrétisation d'un projet, mais on va dire qu'il ne s'arrête pas à ça, hein, qui est encore beaucoup plus vaste. Là, on n'est qu'au 3. Mais c'est un petit peu comme si on voyait les premières graines germer, quoi. Après, pour que ça dure dans le temps, il faudra continuer, bien sûr, à fournir aussi certains soins, à garder une certaine discipline, enfin, aller, on va dire, dans le même sens. Un peu comme pour vous dire, bon, bah, tu vois, tu as décidé, entre guillemets, de... Alors, je vais pas dire de retourner la situation, mais de voir peut-être davantage, on va dire, les choses autrement. Et en faisant ça, bah, tu vois, bah, on te remercie. Donc ici, c'est vraiment c'est des cadeaux, c'est bah, au travail, ça peut être une promotion, ça peut être aussi des encouragements. Il y en a peut-être qui bah, voilà, ont traversé une tempête, alors peut-être que c'est aussi, entre guillemets, relié sur le plan financier, enfin en tout cas qu'il y a eu, on va dire, peut-être des pertes ou un peu plus de dépenses, voilà, on va dire ça comme ça, et que, ben... Il va falloir le remplir à nouveau, le coffre. Hein. Il faut que les sous, ils aillent dedans, mais qu'ils y restent peut-être un petit peu. En tout cas, on vous apporte du soutien, donc c'est quand même déjà pas mal. Hein. Si jamais il y avait des difficultés, d'autant que, bon, ok, elle est à l'endroit, cette carte-là, mais c'est peut-être juste des restrictions, on va dire, pendant cette période-là. Un imprévu, peut-être aussi, auquel il faudrait pallier. Donc, ça peut être un moment comme ça où on peut peut-être aussi avoir l'impression de manquer d'argent ou de facilité, on va dire comme ça, sur ce plan-là. Donc, on vous conseille forcément davantage d'être économe et surtout à réfléchir, dans le sens où on vient vous dire que, y a une différence entre vos besoins et vos envies. Hein ? Y a peut-être des envies qui ne sont pas indispensables. Après, rassurez-vous, ce ne sera peut-être pas non plus pendant 10 ans. Mais en tout cas, on vous conseille pendant ce moment-là de pas trop vous gâter. Hein, voilà, de voir déjà où sont les priorités, ce qu'il y a à faire, où il y a à dépenser, hein, tout simplement. Donc, on vient dire à certains de faire preuve de patience et de penser à bien combler vos vrais besoins plutôt que vos envies, en vous disant que ça va s'améliorer. Hein, mais que pour l'instant, il faut... être davantage en mode écureuil et aussi reconnaître et remercier pour ce que vous avez déjà. Hein, il y a cette invitation, on va dire, à la gratitude parce que, bah oui, des fois, bah, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, ce qui ne veut pas dire qu'on est à la rue en mauvaise santé ou avec une maladie incurable ou seul au monde, etc. Hein, il y a de quoi relativiser, c'est sûr que c'est jamais agréable. Mais là, grossièrement, on vous dit que c'est un mauvais moment à passer, hein, enfin, sur ce plan-là. Maintenant, vous voyez qu'ici, vous avez quand même du soutien. Hein. Donc bon, voilà, bon, je ne suis pas franchement inquiète. Et puis, comme les balances et les sagittaires, vous avez eu la carte du projet professionnel. Alors là, on vous demande de suivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être que pour certains, on va dire qu'il y a eu un travail aussi qui s'est arrêté, un contrat. Peut-être que certains sont aussi en arrêt. Hein. Ou que vous avez tout simplement envie de faire autre chose et que vous avez déjà commencé à lancer l'idée. Puisqu'on vous dit qu'ici, ça peut être aussi les premiers fruits. Donc, ça peut être aussi un encouragement, même si c'est peut-être pas encore assez pour certains ou que ça permet peut-être certains... de vivre, voilà, un minimum décemment, mais bon, voilà, pas de faire de grosses dépenses pour se faire plaisir. Maintenant, enfin, voilà, vous n'avez pas l'air complètement à la rue non plus, quoi. Donc, si jamais c'est déjà le cas, que c'est déjà lancé ou que c'est dans votre tête, c'est une carte ici de confirmation à continuer à suivre votre intuition, en tout cas, sur ce plan-là. Pour d'autres même que leurs projets sont déjà solides.
Maintenant, pour d'autres, hein, ça peut être une nouvelle offre d'emploi, une promotion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou une autre opportunité, on va dire, tout court. Hein, ça peut être aussi dans un domaine différent, mais qui vous plaît, ou dans lequel vous êtes aussi peut-être tout simplement compétent, mais vous n'avez pas encore exploité, on va dire, ces qualités dans votre dernier métier ou dans votre métier actuel. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on vient pour voir quelque part à ce problème-là. Hein. Peut-être qu'il y en a certains, justement, bah, parce qu'ils ont perdu un boulot, on va dire, ou qu'ils sont dans une situation un petit peu critique. Bah, y a peut-être des amis à eux qui vont dire, bah, tiens, si tu veux, moi, je connais telle personne, elle a besoin de quelqu'un, ou si tu veux faire un extra pour mettre un peu de beurre dans tes épinards. Enfin, voilà, des choses comme ça. Maintenant, quoi qu'on vous propose, bien sûr, prenez toujours le temps avant d'accepter. Si vous étiez par exemple dans un travail qui vous ne convenait pas avant, c'est pas pour aller, on va dire, vous engager sur du long terme dans un job similaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si financièrement ça peut vous aider à ce moment-là, ou alors dans ce cas-là, prenez quelque chose, on va dire, de courte durée, ou soyez dedans, mais en cherchant à côté sans avoir le but, on va dire, de recommencer à nouveau le même schéma. Là, avant, on vous a apporter l'idée de revenir en arrière pour faire le point, entre guillemets, des leçons à tirer du cycle là qui est en train de se terminer. Le but étant de ne pas revivre le même, mais au contraire d'en avoir un plus sympa. Alors peut-être qu'au début, ben, ça demande voilà, quelques sacrifices, mais a priori, ça en vaut la peine. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vient vous dire ici. D'ailleurs, je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positif est en vue. Vous traversez actuellement une sept période de transition au travail. Et maintenant pour l'affirmation ici, pour la carte des contraintes. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. On va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'août. Et là, vous avez le 2 de coupe. Bon, bah, on revient à nouveau sur le plan émotionnel et relationnel. Donc toujours des signes d'eau, donc ça peut toujours vous représenter. À chaque fois, c'est marrant, vous voyez, il y a quand même deux personnages. Alors, on a également la carte du voyage à l'endroit qui est vraiment toute mimi. Et on a aussi la carte de la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Alors, grossesse, hein, ça peut être aussi par rapport à un projet. Bon, on va revenir dessus, on revient sur le 2. Et c'est marrant parce qu'on revient quelque part sur le début de l'histoire, sur leur première rencontre finalement, qui avait été programmée, on va dire, un petit peu particulièrement, parce qu'en fait, c'est Aphrodite qui avait fait de Psyché ici sa prisonnière. Vous voyez, elle était attachée, il y avait un monstre ici qui était censé la manger. Et en fait, elle a envoyé Eros derrière qui, lui, devait carrément lui envoyer une flèche. Sauf qu'en s'approchant d'elle, en fait, il en est tombé amoureux. Et c'est lui qui s'est piqué avec. En fait, vous voyez, il vient là un petit peu comme à sa rescousse. Donc là, on est sur le principe d'attraction entre le masculin et le féminin. La première rencontre, on peut parler aussi de fusion, mais c'est pas, on va dire, de l'attraction juste physique. Hein. C'est autant quelque part sensuel que spirituel. Donc, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir quelque part un regain pour ceux qui étaient déjà ensemble, ou pour une nouvelle rencontre, hein, tout simplement, entre guillemets, la suite. Mais là, c'est un petit peu comme si on redémarrait quand même. On peut penser peut-être aussi à une autre personne, bien que ce soit quand même ici la même, mais voilà, ça vous verrez bien. En tout cas, tous les deux, ils sont là avec, on va dire, leurs aspirations, et ils savent que l'un et l'autre va être un moteur, un miroir, quelque chose qui va vraiment les élever. Donc ça peut être un commencement, un recommencement, mais ça peut être également des réconciliations, d'autant plus pour ceux qui auraient pu avoir des difficultés, voire peut-être même une séparation. Alors peut-être qu'il y en a un justement qui s'est retrouvé, on va dire, en difficulté, que l'autre, on va dire, l'a su et vient justement ici pour lui apporter son soutien.
Bon, maintenant, c'est pas forcément que par rapport aux relations sentimentales, hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des partenaires, des associés. Le 2, on revient à nouveau dans l'association, puis vous voyez, bon, ici, vous l'avez aussi. D'ailleurs, lui, comme il est dans les airs, qu'on vient parler de voyage après, derrière, on peut se dire peut-être que vous allez justement partir ensemble, ou peut-être que certains ont envie de se retrouver, on va dire, un petit peu ensemble. Maintenant, vous voyez qu'ici, c'est pas tout plat, c'est pas tout stable. Alors, ça peut secouer peut-être un petit peu émotionnellement, mais je dirais franchement dans le bon sens. Et vous voyez, il y a du vent, il y a quand même du mouvement. Et c'est ce que vient de vous amener justement cette notion de voyage. Et en plus, comme elle est à l'endroit, c'est plutôt sympa. Donc, il y en a peut-être qui vont bouger ensemble, déménager, faire un voyage, des déplacements. On peut penser ici, notamment par les airs, hein, peut-être qu'ils vont prendre l'avion tout simplement aussi pour aller en vacances ou pour aller faire une retraite. Il y en a peut-être certains qui voudront bouger peut-être aussi pour faire une formation, un cours ou qui doivent simplement faire des déplacements au niveau professionnel. Maintenant, quel que soit le plan, on vient vous dire ici que ça se déroulera vraiment sans accroc, sans pépin, ça se passera bien. Maintenant, on vous conseille quand même de savoir aussi ce qui vous motive vraiment à faire ces déplacements, quels qu'ils soient, et surtout à bien les planifier. Voilà, hein. Maintenant, on vient dire aussi tout simplement à certains que la vie est un voyage et on vous invite un petit peu à partir à l'aventure en vous disant que vous allez peut-être aussi rencontrer certaines personnes, certaines situations aussi qui pourront être bénéfique, excitante, enfin voilà, vous redonner de l'énergie, vous faire du bien. Et je vous disais déjà qu'ici vous aviez de l'aide, bon bah là quelque part il arrive à son secours, même si c'est pas entre guillemets l'idée de départ. Maintenant, on vous a dit ici, je crois, que vous étiez capable, hein, de toute façon de surmonter n'importe quel obstacle. Je pense que ce qu'on vous invite aussi à voir avec cette carte, c'est que, bien sûr, il y a du monde qui est là pour vous, même si vous étiez en danger de mort, voilà, grossièrement, il y a quelqu'un qui débarquerait. Maintenant, le mieux, c'est quand même de se sauver soi-même. Et vous en avez la force. Vous en avez les capacités. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de refuser l'aide. Peut-être juste dire à certains de faire attention à ne pas trop compter sur les autres. Hein. C'est-à-dire à essayez peut-être déjà de trouver une solution de par vous-même, en plus vous êtes hyper créatif, avant d'aller demander tout de suite à quelqu'un d'autre. Ou de vous dire, bah, de toute façon, ça je sais que telle personne viendra ou que telle personne le fera, j'ai pas à m'en soucier, etc. Hein? Là, vous voyez, elle est quand même prisonnière. Le but, c'est qu'elle se détache, c'est qu'elle reprenne son propre pouvoir. Alors, je ne vais pas dire qu'elle soit son propre parchemin, mais c'est jamais bon de donner tout son pouvoir à quelqu'un d'autre, non plus. Maintenant, comme je l'ai évoqué, hein, là on a la carte, vous voyez, donc grossesse, donc je vous ai dit, hein, ça peut être autant par rapport à projet que par rapport à une naissance ou la conception, en tout cas, d'un enfant. Ça peut représenter aussi un cycle de 9 mois, hein, quelque part, et de la patience. Mais voilà, si jamais il y en a qui partent se faire une petite lune de miel ou une lune de miel, un petit truc en amoureux, etc. Bon, ben voilà, il y a peut-être alors un risque de grossesse, si c'est désiré, tant mieux. Sinon, faites attention, bien sûr. Mais on peut voir ça aussi. Vous voyez, je vous disais, ça peut être un renouveau, ça peut être une renaissance. Hein? Et ça peut l'être également aussi par rapport à soi-même. Ça peut être aussi un nouveau comportement, une nouvelle manière de penser, des dons à développer. Une chose en tout cas qui a besoin de temps pour arriver à maturation. Et en même temps, ce serait un petit peu normal, puisque si on recommence un nouveau cycle ou si on en commence un tout simplement, bah, on est au début. Hein, donc ça ne va pas, entre guillemets, se terminer comme ça non plus en 2 minutes, et tant mieux. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à vous, tout simplement, qui apprend qu'elle est enceinte ou qui lance ce projet-là et puis qui vous en informe. En tout cas, que ce soit une grossesse, une naissance ou tel projet, on vous dit que, même si ici on vous rappuie sur le plan professionnel, hein, donc ça peut suivre, hein, comme ça, dire que bah là, grossièrement,
vous avez peut-être commencé, mais il y a encore des choses à faire, ou qu'il y a peut-être des choses pour certains à préparer pour ceux qui ont envie réellement de se lancer, et que tout ça, ça pourra vraiment vous apporter des changements positifs dans votre vie. Hein, vraiment vous apporter de bonnes choses. De toute façon, franchement, bon, mis à part cette carte-là pour l'instant, vos tirages est quand même plutôt bon. Alors, je vais quand même vous donner les autres significations avec cette carte. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guetter la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Et l'affirmation ici avec la carte du voyage. J'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. Oui, parce que c'est vrai que là, vous voyez, elle est quand même plutôt sur elle, enfin, sur ce projet-là en même temps. Et il y a ce côté, on va dire, un petit peu lunaire aussi sur cette carte-là, hein, qui vient davantage, bon, bah là, bien sûr, dans le féminin sacré, hein, mais dans l'intériorité, la réceptivité, l'intuition, etc. Bon, on va voir maintenant la suite, votre dernière quinzaine. Et là, vous avez, chouette, regardez, le 9 de denier, rien que ça. Alors, c'est marrant parce que le 9, on pourrait se dire aussi que c'est encore, entre guillemets, à la fin d'un cycle, là, pas complètement. Mais en tout cas, vous voyez que pour ce qui a été semé, ça va quand même plutôt vite, hein, si c'est toujours la même personne, le même projet, etc. Enfin, là, je pense que ça serait peut-être plutôt pour vous rassurer, hein, pour ceux qui pensaient que ça n'allait peut-être pas sur le plan financier, qu'il y avait peut-être peur que ça dure, etc. Là, manifestement, enfin, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Et puis si vous venez de rencontrer cette personne-là, bon, ben voilà, hein, lui, il est bien aisé, tout va bien. Et ici, on a cœur brisé, mais on l'a à l'envers, donc c'est mieux que de dans l'autre sens. Et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Hein? Bon, donc ici, à nouveau, donc dans la terre, matériel et financier. Mais bon, on peut parler aussi de la santé. C'est marrant, ça s'alterne vraiment. À chaque fois, vous avez coupe et denier. À voir où vous vous retrouvez. Hein? Mais c'est vrai que en même temps, vous, généralement, je vous retrouve aussi bien dans ces cartes-là. Alors, avec le 9, on vient vous féliciter en vous disant que vous avez vraiment bien travaillé, que ce soit sur vous-même, par rapport à un projet, soit qui est en train de se terminer, soit qui est en tout cas en train de se passer de mieux en mieux ou de plus en plus facilement. Et du coup, bah forcément, bah on peut ressentir de la satisfaction, de la fierté, commencer à récolter plus abondamment. Vous voyez, là, toutes les pièces qu'il a. Là, il en avait 3. Là, il en a 9. Peut-être que certains aussi sont arrivés, on va dire, au bout d'une certaine partie, on va dire, dans leur projet. Et puis là, qu'ils vont se permettre un petit peu de se détendre, peut-être de prendre un petit peu de vacances, de profiter, en tout cas, de la vie avec davantage de légèreté. Attention toutefois, parce que peut être tellement, entre guillemets, fier de soi. Bon, bien sûr, faire attention à l'orgueil, mais surtout ici, on pourrait limite se satisfaire juste soi-même. Hein. Un peu comme si on tombait quelque part dans l'excès inverse. En tout cas, là, on est plutôt bien, on est plutôt prospère. Et ce qu'il y a de chouette ici, c'est que vous allez reprendre en force et en puissance. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait, l'investissement, les efforts, le serrage de ceinture peut-être aussi, etc., ben ici, c'est payant. Tout ça, ça a pu vous donner peut-être aussi davantage confiance en vous, révéler différentes qualités en vous. Ça vous a permis de mieux vous découvrir un petit peu, ben, comme un voyage à travers soi-même et pour lequel vous pouvez être fier et également reconnaissant. D'autant que là, on revient à nouveau dans le vert. Hein. Bon, plexus aussi, toujours avec le jaune, mais voilà, hein, chakra de l'abondance, de la guérison, le chakra du cœur.
Donc peut-être que certains aussi ont travaillé fortement, alors peut-être à un renouveau dans leur relation, à une amélioration de partenariat ou de relation avec d'autres personnes. Et là, non seulement ça avance bien, mais ça apporte vraiment ses fruits. Alors si, pareil, bon, on va dire dans la petite mise en garde, parce que c'est vraiment une carte qui est super positive, ça peut vouloir dire aussi que ce personnage ici consacre peut-être aussi un peu plus de temps, bah, peut-être par rapport à un projet professionnel, on va dire qu'à être en famille. Hein, vous voyez, là, il est quand même bien tout seul. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a une jolie progression. Ah oui, bah, c'est bien ce que je me disais, vous voyez, je n'avais pas vu. Là, ici, c'est le 9 aussi. Hein, donc, c'est confirmé. Le 9, c'est aussi la carte de l'ermite. Hein, quand on parlait tout à l'heure d'introspection, ben on peut encore à nouveau y revenir, d'autant que là, vous voyez, elle a sa petite lanterne, elle avance vers la lumière, comme c'est le cas aussi dans le tarot de Marseille. Après, sachez que même si c'est pas vous ici que vous reconnaissez, hein, si jamais, quand vous rencontrez des gens, c'est pour vous inviter à développer ces mêmes qualités en vous, parce que vous les avez. Ou ça peut être quelqu'un aussi, tout simplement, qui peut vous aider, qui peut être de bons conseils, de soutien aussi financier. On pourrait penser à votre conjoint, à votre père, un ami, un banquier. Hein. Si c'est davantage sur le cadre de la santé, peut-être aussi, peut-être à quelqu'un aussi de réputé et que ses soins, justement, à ce moment-là, sont plutôt efficaces. Maintenant, en dessous, donc on a la carte du cœur brisé à l'envers, tant mieux qu'elle soit dans ce sens-là, qui, à la base, elle peut parler de deuil et de perte. Bon, vu qu'elle est dans le bon sens, je ne pense pas que ce soit tant le cas. Bon, maintenant, ici, c'est vrai qu'on peut parler aussi d'héritage. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que l'héritage, on peut le faire aussi de vivant. Hein, donc, on ne dramatise surtout pas les choses ici. Là, en fait, le cœur brisé dans ce sens-là, ça vient vous parler de renouveau, d'espoir. Donc, ce qu'on vous amenait quand même déjà juste avant, en vous disant que tout ce qui est douleur, trauma, peut-être justement tout ce qui vous a impacté aussi pendant cette période-là, et puis peut-être même un petit peu inquiété là, on va dire, sont derrière vous à ce moment-là. Hein, que vous pouvez vraiment avoir confiance, d'autant que vous allez bientôt connaître une grande joie. Bon, ben justement, on y est. Et c'est marrant parce qu'on vient vous dire aussi que maintenant, vous êtes à nouveau libre, voire libéré. Donc, c'est-à-dire que vous avez réussi aussi à vous détacher de tout ce qui a pu vous blesser. Un peu comme pour vous dire que maintenant, vous êtes prêt vraiment à passer à autre chose. Et en plus, on vient vous dire que l'univers vous réserve aussi de belles choses. Donc, on vous invite vraiment à lâcher avec voilà, tout ce qui a pu vous peiner, tout ce qui a pu vous causer du chagrin, de la peine, ou ce qui pourrait aussi vous rendre pessimiste, essayez de rester davantage positif et également d'ouvrir votre vie à de nouvelles intentions. Alors, c'est vrai que quand je parlais de santé, on peut se dire qu'ici, bah lui, ça y est, il a décidé de prendre quelque part, on va dire, des bonnes habitudes. C'est un petit peu ça. Et toutes ces intentions, elles doivent être dirigées vers l'amour de vous-même. Hein, pas dans le sens égoïste, je pense qu'à moi, etc., mais de savoir vous donner plutôt que d'attendre que quelqu'un, entre guillemets, vous le donne. Parce que bah, y a des gens, des fois, ils n'en sont pas capables, ou ça, c'est pas naturel pour eux, ils sont obligés de faire certains efforts. Et si votre bonheur dépend d'eux, de leur comportement, etc., y a moyen d'être déçu, hein, assez souvent. Alors que quand on lâche prise justement sur les attentes, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, et que voilà, bah forcément, on se libère et on comprend aussi que bah ça, on peut aussi très bien se la porter. Donc, il y a quand même l'air d'avoir une belle guérison au niveau de votre chakra du cœur. Et tant mieux parce que ça vous permettra de mieux vivre vos relations actuelles et aussi de vous en attirer des meilleures, des plus joyeuses. On vous invite hein, quand même clairement à la joie, à être heureux, à pas hésiter à aller dehors hein, non plus, à faire le plein d'iode aussi, peut-être pour certains. Et voyez, derrière, on vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc, voyez, on vous disait que vous étiez capable, on vous le répète encore à nouveau. Et c'est une manière aussi de dire que vous avez le pouvoir
de cesser d'avoir ou de ressentir, entre guillemets, ce cœur brisé, ce chagrin, ces douleurs, ces réminiscences peut-être aussi du passé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vous qui décidez de bien ou de mal prendre les choses, de vivre dans le moment présent ou de regarder toujours en arrière. Bon, c'est pareil, vous n'êtes pas particulièrement rancunier, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible et que voilà, ça n'a pas fait une petite faille dans votre cœur maintenant. Maintenant, il y a un moment, il faut en prendre soin justement de cette blessure. La recoudre, prendre le temps si c'est nécessaire. C'est sûr que tout ne se fait pas forcément en 5 minutes, mais ça après, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez. À partir de quel moment vous acceptez ce qui s'est passé, vous en tirez les conclusions qui s'imposent et vous continuez à avancer, vous faites ce qu'il faut, hein, si vous voulez quelque part, ou si vous préférez continuer à mal vivre quelque chose qui est passé ou à lui laisser un impact sur votre présent. Bon, en tout cas, ici, les faits vous rappellent que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, hein, même si vous avez peut-être été un petit peu secoué ou vous étiez peut-être même senti persécuté pour certains. On vient vous dire que vous avez un pouvoir personnel incroyable. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux fées, à leur demander leur aide, mais vous pouvez aussi le faire avec vos guides, selon vos croyances, pour trouver des solutions, soigner, concrétiser peut-être aussi des besoins matériels, parce que ça, c'est vraiment le rayon. La seule chose, bien sûr, vous le savez aussi bien que moi, c'est d'y croire. Hein. Si vous faites des demandes et que vous ne croyez pas que c'est entendu par l'univers ou quoi ou qu'est-ce, forcément, hein. Il y a bien sûr les mots ont une énergie, l'intention, etc. Mais il y a vos vibrations aussi. Si vous dites un truc et que vous pensez l'inverse, l'univers, lui, va entendre l'inverse. Parce que vous avez dit, vous comprenez. Donc, je vous souhaite sincèrement que ça se passe comme ça. En tout cas, on vous invite à aller dans le sens-là. Je vais vous donner maintenant les autres significations avec cette carte. Oubliez les reproches et concentrez-vous sur les solutions. Faites un travail d'apaisement des énergies en utilisant surtout vos mains. Faites des exercices de musculation comme l'haltérophilie, pourquoi pas. Suivez votre voix intérieure pour résoudre une situation. Devenez activiste pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Soyez honnête envers vous-même et envers autrui. Et maintenant ici, l'affirmation est la suivante. Je me libère du chagrin du passé. Et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Elle est magnifique celle-là, moi, j'espère qu'elle vous aidera au mieux. Je vais vous montrer deux autres cartes, celle avec les énergies, vous avez eu patience. Hein. Donc persévérance, on continue, on tient bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec cette carte, on vient vous demander aussi de vous détendre. Et de chasser vraiment toute forme, on va dire, de pessimisme, de vous libérer aussi de vos vieux sentiments, là, d'urgence, que tout doit être fait à la minute, ou selon votre volonté, on va dire. Et puis avec les fées, voyez, le conseil, c'est demander ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez que ça se réalise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins en émettre l'attention. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'ici, on vient aussi sur le « aux autres hein ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne faites pas savoir aux autres ce que vous voulez, les autres, ils n'ont peut-être pas une boule de cristal pour le deviner. Du coup, bah, vous vous attendez après quelque chose, vous dites « ouais, bah, il ne le fait pas, super, génial ». Alors que lui, en fait, il ne se rend pas compte que vous, vous attendiez ça de lui. Parce que même si vous, ça rentre dans votre logique, on va dire, ça vous paraît normal, c'est peut-être pas forcément dans la sienne. Et il y a des gens comme ça, des fois, qui font pas certaines choses, non pas pour blesser les autres, mais parce qu'ils n'ont pas la même, on va dire, vision, ou ils n'ont pas les mêmes attentes, ou la même manière de voir ou de concevoir ou de faire tout simplement certaines choses. Donc, pensez bien à émettre des vœux, des intentions, et surtout, soyez clair par rapport à ce que vous voulez. Maintenant, concernant les pierres, même chose que pour les autres. Je demande toujours une pierre, on va dire, pour chacun des mois. Maintenant, vous les utilisez quand vous en ressentez le besoin, si c'est le mois d'après, la semaine d'avant, enfin, voilà. Et ce sera la même chose aussi pour les fleurs, vraiment, faites comme vous le ressentez. Alors, on va dire que pour le mois de juillet, vous avez eu Malabra qui a voulu venir. Ça, c'est ma toute première, je ne sais pas si vous allez voir
les visages qu'il y a dedans. Ouais, elle est bien habitée, celle-là. Et bon, bah, celle-là, quand je vous disais de faire attention, on va dire, à la communication, alors peut-être aussi plus particulièrement ici, mais on pourrait la voir là, c'est vraiment rattaché au chakra de la gorge. Tous les gens qui font des soins également, qui sont thérapeutes, ont souvent cette pierre, hein, puisqu'elle aide vraiment à protéger de toute forme d'énergie négative extérieure. Hein, c'est vraiment une bonne protection. Maintenant, c'est une pierre également qui est défatigante, régénératrice. Donc, après une petite période de tumulte, ça ne ferait peut-être pas de mal non plus. Et puis, qui peut aussi être pas mal à utiliser quand vous faites des méditations. Et puis, pour le mois d'août, nous avons du rubis vert. J'aime bien dire ça. À chaque fois, je trouve toujours ça surprenant. Ça s'appelle de la zoysite. Hein, vous voyez, en fait, c'est plutôt, on va dire, un alliage, hein, finalement, entre les deux. Et c'est une pierre qui, d'un point de vue physique, pourra aider à tout ce qui est régulation du rythme cardiaque. Elle est également détoxifiante, c'est-à-dire qu'elle neutralise l'acidité et diminue les inflammations. Elle stimule également la fertilité et la mémoire. Au niveau des énergies, bon bah forcément, hein, on revient bien sur le chakra du cœur. Et elle permet également de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Et d'un point de vue positif, comme par hasard, elle aide à guérir justement les peines de cœur et à retrouver de nouvelles personnes également qui sont prêtes à nous aimer. Elle favorise l'émission et la réception également de sentiments, mais aussi la créativité, l'imagination, les qualités d'écoute, l'humeur. Et puis, et ben comme par hasard aussi, elle fait prendre conscience du passé, hein, donc des fameuses leçons, et de ses douleurs, mais pour pouvoir les accepter et évoluer. Et c'est vraiment ça, là, tout ce qu'on vous propose. Donc, vraiment, moi, je trouve que votre tirage, il est vraiment beau à regarder. Et j'espère vraiment que pour tous ceux qui auront eu des chagrins, des choses bousculantes, ça s'améliore vraiment et ça se cicatrise surtout bien. On va passer maintenant aux fleurs de Bac, hein, comme je vous ai dit, donc même chose. Et pour le mois de juillet, vous avez eu Orme, Helm, vous hein, voyez qu'il y a un beau bleu aussi hein, dans la communication, discernement et efficacité. Alors, c'est une fleur qui pourra vous amener davantage d'assurance au niveau intérieur, vous aider aussi pour certains à vous reconnecter à vos buts. Vous voyez, quand on vous parlait tout à l'heure, vos véritables besoins, là, on revient quelque part à l'essentiel, à votre essence, à votre nature véritable. Et avec cette guérison en plus au niveau du cœur, ça vous permettra d'être vraiment en adéquation avec votre moi supérieur, puisque c'est vraiment, entre guillemets, le filtre. Donc, vous allez peut-être aussi plus vibrer pour certains. Donc, je vous disais qu'elle allait vous aider à retrouver le sens, on va dire, des priorités, si jamais il avait été un petit peu perdu. Et elle apporte également cette envie, cette motivation, presque j'ai envie de dire, de persévérer pour pouvoir accomplir ses responsabilités. Puis j'ai envie de dire quelque part aussi de les assumer, bon, même si vous n'êtes pas des gens qui sont forcément dans la fuite, au contraire, je vous trouve quand même super réglo. Je pense que c'est plus la notion de persévérance ici sur laquelle on insiste. Et puis cette fleur, elle vous permettra également de lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. Hein, le côté de se faire peut-être aussi toute une montagne ou de s'en mettre aussi peut-être trop un peu hein, sur les épaules, de se décharger un poil. Ça ne peut pas faire de mal. Et pour celle du mois d'août, vous avez eu Saul, Willow, acceptation de ses responsabilités. Donc, on en revient encore là, mais bon, elles ont l'air quand même plutôt bien acceptées, moi j'ai envie de dire vraiment ici, et qui, elle, vous apportera davantage de positivité, de joie de vivre, donc la fameuse prise en charge de ses responsabilités, mais dans le sens à être acteur vraiment de sa vie. Hein. Là, je pense que vraiment, vous allez pouvoir bien le reprendre, votre pouvoir. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et elle permettra également de lutter contre les sentiments d'amertume, de ressentiment, de sentiment d'injustice ou d'insatisfaction, peut-être aussi pour certains. Et pour ça, je reviendrai vous dire aussi de bien penser à travailler la gratitude, bon, le pardon aussi, ça va de soi, hein.
ne lésinez pas sur les Ho'oponopono si besoin, hein. Directement à votre âme, ce sera même encore mieux. Mais bon, là, vous avancez. Franchement, pour moi, ça prend, on va dire, une bonne tournure, tout ça. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous aurez des vacances, que vous pourrez bien vous détendre, en profiter. Je vous souhaite des beaux voyages, des belles rencontres, des beaux nouveaux projets. Je vous embrasse bien fort et puis je vous remercie également aussi d'avance pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements qui m'aident et m'encouragent toujours à continuer. Merci du fond du cœur et puis à bientôt les poissons. Namasté !